Bonjour à tous, je m'appelle Diane Pérez, j'ai 23 ans et je viens de Paris. Je suis tout juste arrivée à la rentrée à l'école en tant que service civique. Je cherchais un moyen de me professionnaliser, de faire quelque chose d'un peu différent de mes études pour continuer plus tard mon master. À l'école, je fais de l'accompagnement personnalisé auprès des élèves qui ont un peu du mal, notamment en anglais. Je m'occupe aussi du CVL, qui est le conseil de vie lycéenne, donc je les aide dans leur conduite de projet et à mener à bien leurs idées, j'essaye de les cadrer un petit peu. Je m'occupe aussi des tout-petits et je fais pas mal de choses, notamment au CDI, à l'administration, au secrétariat, ce qui me permet de faire beaucoup d'activités très différentes au fil de la journée. Bonjour, je m'appelle Lila Blou-Dupuis, j'ai 21 ans et je viens du sud de la France. J'ai voulu faire ce service civique pour faire une pause après ma licence de cinéma et voir quelque chose de tout à fait différent du monde du cinéma. Et donc je suis atterrie ici puisque je suis animatrice enfant l'été et donc les travailler avec des enfants ça me plaît beaucoup et donc j'ai voulu voir ce que c'était travailler avec des enfants pendant une année entière. Ce que j'aime beaucoup avec les écoles françaises en Espagne, c'est que ça va de la maternelle au lycée, ce qui me permet de voir un petit peu au niveau des tranches d'âge les dynamiques de classe et voir comment est-ce que je peux aider chaque âge au mieux, ce qui me plaît beaucoup. Je m'occupe donc des petites sections, beaucoup, petite section, moyenne section. Je m'occupe aussi d'aider en espagnol pour les primaires, les collégiens et les lycéens. Et je fais quelques heures aussi pour monter un projet de web radio. Une école à taille humaine, ce qui est très différent des écoles dans lesquelles j'ai pu travailler sur Paris. Et surtout une école où tout le monde se connaît et où l'ambiance est vraiment très appréciable. Bonjour, je m'appelle Jade, j'ai 23 ans et je viens de Lyon. J'ai choisi cet établissement parce que je voulais découvrir un établissement à l'étranger et celui-là m'a plu parce que l'équipe était jeune et dynamique lors de mon entretien et qu'il y avait beaucoup de projets, donc je me suis dit que ça serait l'établissement idéal. Mon rôle ici, c'est surtout d'aider les élèves en 6e, 5e et même 3e, première. Donc pour les aider, pour leur expliquer les exercices, pour être à leur côté s'ils ont besoin de poser des questions dans différentes matières. Mais aussi, on a créé avec Diane le club de journalisme qu'on va mettre en place tout le long de cette année. Et je vais participer aussi aux éco-délégués. Et après un mois ici, je me sens très bien parce que l'équipe est très dynamique, qu'il y a plein de projets, que c'est un établissement vivant et jeune. Et je me sens de plus en plus à l'aise avec les élèves qui me sollicitent de plus en plus. Donc, une super expérience.